Frères et sœurs, nous fêtons le 8 décembre, chaque année, au début du temps de l'Avent, la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Marie, par un privilège tout à fait singulier, a été préservée dès le premier instant de sa conception de la tâche du péché originel. Pourquoi un si grand privilège? Il me semble que, pour répondre à cette question, nous devons nous replacer au niveau initial du projet de Dieu pour l'être humain. Dieu nous a créés, il a créé l'homme et la femme pour que nous puissions l'aimer. Et pour cela, nous devons être libres. Et c'est en ce sens que Dieu a voulu Marie. Tout à fait libre, sans aucune entrave, pour qu'elle puisse l'aimer d'un amour tout à fait pur. Alors, nous pouvons nous dire que jamais nous n'arriverons à un tel degré de sainteté. Nous n'avons pas bénéficié de ce privilège de l'Immaculée Conception. Et pourtant, la réponse que Dieu a attendu de Marie, la réponse qu'il a reçue de Marie, est la même réponse qu'il attend et qu'il veut de nous. Oui, Seigneur, je vous aime. Oui, Seigneur, je veux être votre serviteur, votre servante. Venez faire en moi votre volonté. Thank you.
Marie est la noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et réchauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. Ô toi qui te vois ballotté dans le courant de ce siècle, au milieu des orages et des tempêtes de manière plus périlleuse que si tu marchais sur terre, ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer dans les tempêtes. Si les vents de la tentation s'élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l'orgueil, l'ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si la colère, l'avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde Marie. Si accablé par l'énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, effrayé par l'horreur du jugement, tu commences à t'enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l'abîme du désespoir, pense à Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur. Et pour obtenir la faveur de ses prières, n'oublie pas les exemples de sa vie. En suivant Marie, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Ainsi tu comprendras, par ta propre expérience, combien cette parole est juste. Le nom de la Vierge était Marie. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit :
Où es-tu donc ? L'homme répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit : Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? L'homme répondit : La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme : Qu'as-tu fait là ? La femme répondit : Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. L'homme appelait sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son troisième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Oh.
Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que le mystère de l'Immaculée Conception ? L'Immaculée Conception, c'est le privilège dont Marie fut gratifiée d'être exemptée de cette participation à la culpabilité de notre premier père Adam, qui en effet engagea dans sa faute toute l'humanité qui procéderait de lui. Cette participation à la culpabilité de notre premier père Adam, c'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est sans aucun mérite de sa part, puisqu'elle n'existait pas avant, que Marie fut conçue d'emblée avec cette plénitude de grâce que saluera l'archange Gabriel. Sans aucun mérite de sa part, mais en revanche, en prévision des mérites à venir de la passion du Christ. Marie, ce faisant, n'échappe pas à la rédemption, elle est au contraire la mieux rachetée par mode de préservation et non par mode de guérison, comme dans notre cas. Mais si Marie est sans aucun péché, ni personnel, ni même originel, peut-elle dès lors comprendre les pécheurs ? N'est-elle pas finalement étrangère à notre nature concrète si elle est tellement impeccable ? Le présupposé de cette objection courante, c'est qu'au fond, il faudrait essayer expérimentalement pour bien connaître. On parle par exemple du mariage à l'essai, qui en fait est un concubinage, pour savoir si on est vraiment fait pour vivre ensemble. Mais que veut dire essayer une personne ? Il faudrait donc que Marie ait essayé expérimentalement le péché pour comprendre les pécheurs. Or, c'est au contraire le péché qui nous rend incapables de comprendre vraiment le pécheur, puisque nous sommes partie prenante. C'est comme un sens, le sens visuel ou le sens tactile, qui est altéré au contact du feu et qui rend le sens, en l'occurrence, insensible. Eh bien, le péché obnubile le sens du péché, c'est-à-dire la conscience du pécheur. Parce que Marie n'a pas été touchée par le péché, elle comprend les pécheurs et compatit à leur détresse. Elle est mère de miséricorde parce qu'elle est toute pure.
qui s'entend toujours nouvelle, la voix que le ciel écoute avec ravissement, la voix qui s'enferme sur ma peine, c'est ton cœur aimant aux colombes toutes rêves. Viens à nous. Et maintenant, Mère de miséricorde, au nom de l'élan d'amour de ton esprit très pur, la lune se prosterne à tes pieds. Dans les ferventes supplications, elle en appelle à toi, car tu as été constituée médiatrice en sa faveur auprès du soleil de justice, de voir la lumière et par ton intervention d'obtenir la grâce du soleil. Car il t'a aimé plus que toute autre créature et il t'a embellie, te revêtant de la robe de gloire et posant sur ta tête une couronne de beauté. Amen. Le 8 décembre 1854, Pie IX lut le décret proclamant le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, d'une voix claire et sonore. Mais son émotion fut telle qu'il dut s'arrêter jusqu'à 3 reprises. Interrogé par une personne de son entourage sur ses impressions personnelles à cet instant solennel, le Saint-Père répondit « Ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai ressenti, en définissant le dogme, est tel que le langage humain ne saurait l'exprimer. Pendant que Dieu prononçait les paroles du dogme par la voix de son vicaire, lui-même pénétra mon esprit d'une connaissance si claire et si étendue de l'incomparable pureté de la très sainte Vierge, que, abaissé dans la profondeur de cette connaissance,
mon âme se sentit inondée de délices inénarrables, qui ne sont pas de la terre et qu'on ne peut trouver qu'au ciel. La neuvaine préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception nous invite à lever nos regards vers la Vierge au globe, aussi appelée Vierge puissante. C'est ainsi que Marie s'est présentée à Sainte Catherine Labourée, juste avant de lui révéler la médaille miraculeuse. Nous voyons Marie porter entre ses mains un globe doré, surmonté d'une petite croix, qu'elle élève pour l'offrir à Dieu dans une prière ardente. Le globe représente l'humanité, la couleur dorée signifie la gloire de la résurrection. La petite croix est le signe de la souveraineté du Christ Sauveur, à laquelle participe l'Immaculée tenant le globe dans ses mains. L'image de la Vierge au globe exprime tout l'amour de Marie pour Dieu et pour l'humanité, sa maternité spirituelle. Lors de la vision, Sainte Catherine entend une voix intérieure lui dire « Cette boule que vous voyez représente le monde entier, particulièrement la France et chaque personne en particulier. » Ce globe que Marie présente à Dieu, c'est vous, c'est moi, c'est chaque personne. Chacun d'entre nous est aimé au-delà de toute mesure ici-bas. Dans son ciel de gloire, Marie n'a qu'un seul souci, celui de nous rapprocher de Dieu, qui est infiniment digne d'être aimé. Rien ne la réjouit davantage que de voir se réaliser pour chacun d'entre nous les paroles de saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. La prière de Marie ne vise rien d'autre que de nous amener à glorifier Dieu par toute notre vie, afin que nous puissions, le moment venu, le contempler dans un éternel face à face. Donnons-nous à Marie afin qu'elle nous donne à Dieu. Ouvrons-nous à elle afin qu'elle nous dispose à recevoir les dons du Seigneur et à les faire fructifier pour sa gloire et le salut du monde. Thank you.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains. Sauvé par le sacrifice de votre divin Fils sur la croix. Par votre oui, vous nous montrez le vrai chemin de vie, de paix et de joie. Dans les épreuves et les incertitudes du temps présent,
délivrez-nous de la peur, de l'inquiétude et du désespoir qui ne viennent jamais de Dieu notre Père. Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours présent à nos côtés. Gardez nos cœurs abandonnés et confiants, dociles au don de l'Esprit-Saint. Ô Mère du Sauveur, réfugiée en votre cœur immaculé, faites de nous des apôtres de vérité, de paix et d'amour, pour ne vivre que de Jésus, pain de vie éternelle. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.